أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أيها الأحباب الكرام، نستأنف إن شاء الله سبحانه وتعالى تدارسنا لكتاب رياض الصالحين، نرسل إلى الباب 69، باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين. إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل notre étude. Nous allons arriver au chapitre 69, la recommandation de s'isoler lorsque les gens sont corrompus. سنسمع بين هذا الباب 69 والباب 70، لأن لفهم الباب 69 لا بد من كذلك تدارس الكتاب 70، وهو كتاب باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم ومشاهدة الخير. En société et le fait d'assister aux prières en commun avec les gens. حتى لا يفهم التناقض بين البابين نجمجهما وندرسهما الاثنين في حلقة واحدة. Alors on va étudier les deux chapitres, le chapitre 69, dont on a cité le chapitre, le chapitre 70, pour comprendre les deux chapitres, pour ne pas comprendre la contradiction entre les deux. Ils ne se contredisent pas, mais l'un complète l'autre. Alors, le bab l'awwal, le bab istihbab al-uzla inda fasad al-nasi wa al-zamani aw al-khawf min fitnatin fi ad-din. Idan fi al-unwan alladhi anwanahu al-imam ibn al-imam an-nawawi rahimahullah استخلص في الحديث والآية التي استشهد بها حكم وعنون به الباب استحباب، لأن هذا حكم من الأحكام الخمسة المعروفة في الدين. الشيء إما أن يكون حراما أو مباحا أو مكروها أو مندوبا أو مستحبا، فالأمر يتردد بين هذه الأحكام الخمسة التي وقف عندها الأصوليون، وهو هذا منهج الإمام البخاري في صحيحه، كما يقال فقه البخاري في تراجمه، أن البخاري يأخذ أحاديث كثيرة في موضوع معين ويجعل لها باب ويستخلص من هذه الحديث حكما معينا، أن الأمر مستحب أو واجب أو كذا. لذلك ف من فقه الإمام النووي رحمه الله كذلك أنه دلنا أولا على الحكم حتى لا يعتقد أن العزلة عزلة الناس تفهم هكذا على 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 الإطلاق. Alors la première chose et la première remarque donc l'étudiant il doit faire attention, c'est le titre en lui-même, la façon dont l'Imam Nawawi il a formulé le titre, il a utilisé une prescription. Les prescriptions, si on peut dire, de la religion, dans les fondements de la jurisprudence islamique, les savants l'ont partagé en cinq catégories. Il y a ce qui est interdit, ce qui est autorisé, ce qui est déconseillé, ce qui est, comment dirais-je, dans le mubah, ça veut dire c'est bien à faire, si on peut dire. Hein? Alors on va se trouver, hein, en gros, il y a cinq. Ce qui est autorisé à faire, interdit à faire, déconseillé à faire, c'est bien à faire, c'est recommandé à faire. Alors on a dit ici c'est recommandé. C'est recommandé de s'isoler dans ces conditions, deux conditions. Lorsque les gens sont corrompus ou bien si on a peur de sa religion. Quand il y a, hein, comment dirais-je, les troubles, les désordres. Oui, pour sa religion. C'est pas, oui, c'est pas dans sa religion. Pour, si on a pour, c'est vrai. Si on a peur pour sa religion, pour la préserver. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Adh-Dhariyat, "Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin." Cette ayah هي في الحقيقة عامة، ولكن أتى بها أنه يكون لها هذا الحكم في هذه الحالة. "Fafirru ila Allah." Fuyez donc vers Dieu, je suis pour vous, de sa part,
un avertisseur explicite. Alors, fouillez donc vers Allah. Ça veut dire, le refuge du jour, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala, quand la personne il a peur des troncs, il a peur pour sa religion, il est dans une situation où il ne peut rien pour y changer. Alors à ce moment-là, il va vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Thumma, قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ثلاث صفات ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبهم. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إذن التقي نعرفه إنسان المتقي. الغني ليس بالمعنى الغنى الذي نعرفه له كثرة المال، ليس من هذا الجانب، لأنه الغنى في هذا الجانب نسبي. إنسان مثلا يكون غنيا بالنسبة لمن هو أحسن منه، وهو بالنسبة للآخرين الذين هم أحسن منه فقير. مثلا أنا عندي 100 يورو، أنا غني بالنسبة للذي ليس له شيء، ولكن بالنسبة للذي له 1000 يورو هو غني عني، فهو بالنسبة له أنا فقير. بالنسبة للذي عنده 1000 يورو والذي عنده 100,000 يورو، وإذن هذا الغنى نسبي وليس هذا المراد، إنما المراد غنى النفس. غنى النفس أن يكون الإنسان غني بالله، غني لأنه يرضى بما قسم الله له ويرضى في حياته، فهو يستغني بإيمانه وبقربه وتوكله على الله سبحانه وتعالى عن متاع الدنيا ولو كان قليلا، كما لو كان عنده المتاع الدنيا كثير، ولكن غناه في قلبه وليس في جيبه. ثم الخفي، فالخفي هو الذي لا يطلع الناس على حاله مع الله تعالى، ويكون حاله خفيا، يعني يعمل الأعمال ولكن يعملها على في الخفاء، فهذا هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وليس الذي يشهر بعمله. Alors aussi le hadith, la cité le hadith de Abi Sa'id ibn Abi Waqas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté d'ailleurs par l'imam Muslim, Dieu subhanahu wa ta'ala aime le serviteur vertueux faisant preuve de contentement. C'est-à-dire le ghani ici, il est content de sa situation, de son dessein. Et aussi discret. Alors, vertueux, celui qui fait preuve de contentement, vertueux on le connaît, quelqu'un qui est vertueux, quelqu'un qui craint Dieu, subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui a la piété d'un niveau important. Allah il aime. Aussi celui qui est, si on peut dire, et se dépasse de ce bas monde par rapport à sa satisfaction de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a donné. Celui qui est très satisfait de son destin auprès de Dieu. Ce qui veut dire que sans ceci, c'est pas d'avoir beaucoup de matériel. Sa relation liée avec Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui le rend heureux. C'est ça qu'il est. Qui le rend satisfait de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a donné. C'est pas, ça veut dire gagné, riche dans le sens où il a beaucoup de matériel. Parce que ça c'est comment dirais-je, nisbi, c'est pas... Ça reste relatif. Voilà, ça reste relatif. C'est pas quelque chose qu'on peut dire stable. La richesse aujourd'hui, c'est pas... Il n'y a pas un niveau où on peut dire que la personne elle est riche. Ça dépend des degrés, peut-être celui qui est riche pour nous, dans d'autres sociétés ou dans d'autres, comment dirais-je, systèmes, ils sont pauvres. Et peut-être c'est le contraire. Mais la richesse, donc le prophète ici, il parle, c'est la richesse de l'âme. La personne, elle est riche par rapport à ce que son cœur, le contenu de son cœur. Et celui qui est discret aussi. La discrétion, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette discrétion. Parce qu'il veut que les œuvres soient pour lui.
Il ne veut pas qu'on divulgue, qu'on fait certaines œuvres en plein public. Bien évidemment, il y a des choses qu'on fait en plein public, c'est pour réaliser certaines finalités, pour encourager autrui à donner par exemple, pour montrer comment on peut faire certaines choses, oui. Mais d'autres œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que ce soit discret entre toi et lui. Et des exemples que les compagnons, le doigt Allah alayhi wa sallam, ont donné là-dessus, mashallah, il y en a ainsi. إذن فالله سبحانه وتعالى يحب أن يتردد العبد بين هذه الخصال بين التقوى وغنى النفس والخفاء في العمل لأنه لا يريد من الإنسان يعني أن تكون حياته يعني تابعة لهواه فإن كان كذلك فلن يحقق التقوى ولن يحقق غنى النفس ولن يكون خفيا فالمدار مدار على النفس وعلى تزكيتها وتربيتها ثم الشاهد في 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 هذا يعني الباب حديثين اثنين الحديث الاول من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ وهذه هذا السؤال يعني كثيرا ما يسأله الصحابة الله عليهم وتكون يعني إجابات النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة على اختلاف السائل ومراده. فهنا سيجيب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا له علاقة بموضوعنا. هذا الجواب هو أن النبي قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه أخرجه الإمام البخاري ومسلم وفي رواية ويدع الناس من شره ثم الحديث الثاني حديث البخاري كذلك حديث أبي سعيد الخدري ذا نفس الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يوشك إذن هذين الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيهما عن العزلة عن موت يعني الوقت الذي يمكن أن تكون فيه العزلة لكي نفهم العزلة في سياقها الذي جاء الإمام النووي رحمه الله لذلك جاء مباشرة بعد هذا الباب الباب 70 ليحدث عن يعني كذلك استحباب مخالطة الناس فالأول ذكر فيه مجاهد بنفسه وماله هذه مخالطة الناس مجاهد بنفسه وماله فيجاهد نفسه ويزكيها ويربيها ويجاهد بماله بكل ما تحمل الكلمة منه وقد كنا تحدثنا عن مفهوم الجهاد الواسع ليس الجهاد المعروف الآن بالقتل وسفك الدماء وكذا هذا له قواعده وله ضوابطه في الفقه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتحدث عن عموم الأمور لأنه دائما لا تجد يقول مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله يقتل الأعداء أو يقتل الكفار أو يقتل لا تجده يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن الجهاد كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لأن فيكون الجهاد بمعناه الواسع ثم قال رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه أي أنه إذا لم يستطع الإنسان بجهاده لنفسه وبجهاده بماله أن يغير من واقعه شيئا فآنذاك ينتقل إلى أن يعتزل هذا المجتمع الذي لا يستطيع أن يغيره ويخاف من أن يؤثر عليه هذا المجتمع في دينه ويفسد عليه دينه آنذاك ينتقل إلى أن يكون في المرحلة أو في الحالة الثانية التي يفر بها
بديني. وهو نفس الأمر الذي كرره في الحديث يوشك، بمعنى أنهما زمانين مختلفين، زمان سيأتي فيه أن الإنسان أفضل الناس الذي يجاهد بنفسه ويعلمها. حينما نتحدث الجهاد بالنفس، أول جهاد في النفس وهي تعليمها الواجب عليها، هذا أول شيء ينبغي أن نعلمه للنفس، هو أن تعلم الواجب فعله. لأنه حينما تعلم الواجب فعله سواء مع الله ومع الغير، هنا النفس، ثم تربيتها، تربية هذه النفس لكي تعيش في مجتمع وتغير في هذا المجتمع. ثم إذا وصل الزمان إلى درجة أنه كثر الخبث ولا يستطيع الإنسان أن يغير، فهنا الإنسان ينتقل إلى المرحلة الثانية. لذلك في الحديث الثاني فهو يفسر الحديث الأول، لأنه يتحدث عن زمان يوشك، يعني سيأتي زمان سيكون خير ما للإنسان، خير ما يملكه الإنسان أنه يأخذ غنمه إلى شعاف الجبال ويرغى هناك الغنم ويكف شره عن الناس. إذن فلا ينبغي أن نفهم الحديثين، أو أول الحديث يتناقض مع آخر الحديث، لأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم وصاحب الأودية جوامع الكلم أن ينقض آخر الحديث أو أوله، لا يمكن. في الأول قال رجل جاهد بنفسه وماله، وفي الثاني قال رجل معتزل للناس، إذن كيف يمكن؟ لا يلتقيان، ولكن أراد بذلك مراحل. لذلك العلماء يقولون إنه ينبغي لفهم نصوص الشرع أن تكون في كلياتها، أن يستحضر الإنسان كل النصوص التي تتحدث عن الموضوع المعين لكي لا يخونه الفهم، وإلا أقول كيف هنا خير الناس الذي يجاهد، هنا خير الناس، يعني هناك فئتين من الناس، لا، هناك ظرفين من 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 الزمان. وخاصة سيتضح ذلك في يعني الباب الموالي. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم va nous parler surtout de notre sujet, comme je dis, c'est recommandé de s'isoler quand les gens ils sont corrompus ou la personne est là pour sa religion. Il y a deux hadiths de Abi Sa'id al-Khudri où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a été interrogé, c'est qui le meilleur des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu que c'est celui, un croyant, qui lutte avec son âme et ses biens au service de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et lutter ici, il ne faut pas le comprendre dans le domaine qu'on connaît nous. C'est lutter, c'est la guerre, c'est la bataille. Non, toujours le fait de lutter pour éduquer son âme, lutter pour la science, lutter pour changer l'état de la société quand il est corrompu, tout ça, c'est la lutte. Les syndicats luttent pour changer le code du travail quand il est radical. Les partis politiques luttent. Chacun propose un programme. En vérité, c'est une lutte pour la réforme pour eux. Alors, c'est dans ce sens-là. C'est pour ça que le prophète il a parlé ici de deux choses, l'âme et les biens. Parce que c'est avec ça qu'on lutte. On lutte pour éduquer cette âme. Et la première chose, le premier pas pour bien lutter contre son âme, c'est la science. La science, c'est une lutte. Si tu ne donnes pas du temps, si tu ne résistes pas, si tu n'as pas la patience, tu ne vas pas rester à tourner les pages toute la nuit. C'est une lutte. C'est une patience, c'est une résistance. La même chose. Pour gagner du bien, et après tu dépenses pour construire les mosquées, pour donner aux pauvres, pour beaucoup de choses, c'est pas donné à tout le monde. Et puis il a dit, et qui d'autre? Il lui a dit ensuite un homme qui se retire dans le col d'une compagnie pour adorer son Seigneur. Alors, quelqu'un qui se retire dans la société, ça veut dire c'est isolé, c'est retiré dans le col d'une montagne, ça veut dire, et
il a laissé, comment dirais-je, derrière lui, la société, et il s'est réfugié dans un col de montagne, on a du rendu. Alors ici, c'est deux périodes différentes. C'est deux choses différentes. Ici, il nous dit lutter, ça veut dire résister dans la société. Ici, isoler. Alors c'est deux cas différents. Deux contextes différents. Deux contextes différents. Ce qui va nous montrer ça clairement, c'est le hadith rapporté aussi par l'imam Bukhari, même narrateur, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ça veut dire qu'il reste peu de temps, s'en faudra, pour que le meilleur des biens pour un musulman ne soit un troupeau de viands qu'il mène pour être au sommet de montagne ou d'une de haute prairie, fuyant ainsi les troubles afin de préserver sa religion. Alors le prophète, il parle de peu de temps reste pour arriver à ce niveau-là, que la société sera presque totalement corrompue. Et ça, c'est parmi, comme les savants, ils ont jugé, ceux qui ont interprété les hadiths, c'est la fin du monde. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le parle de la fin du monde, c'est « La taqoumu sa'atu illa ala ashrari nas ». La fin du monde, ça viendra quand il y aura vraiment presque la totalité des êtres humains, ils sont corrompus. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله جاءت بهذه الصيغة ça veut dire la fin du monde ne viendra pas que si qu'il ne reste sur la terre aucune personne qui proclame la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il adore le Dieu. Ça veut dire que la fin du monde il va pas arriver tant qu'il y a les croyants qui adorent Dieu subhanahu wa ta'ala sur la planète. Oui. Malgré que on peut avoir des signes dont le prophète il a parlé, mais là il nous a dit, et regardez, là le prophète il a dit Yushaku, ça fait 14 siècles. Peu de temps reste pour arriver à ce niveau-là. Alors mais ça c'est le compteur de, invisible du temps de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors ce qui est important c'est quoi? C'est de comprendre que dans notre religion il n'y a pas ce qui s'appelle le monachisme. Rahbaniya, dans notre religion, le monachisme, ça n'existe pas et c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. La rahbaniya est dans l'islam comme on l'a dit. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضا الله فما رعوها حق رعايتها. الرهبانية سبديه لذلك الإمام النووي lui-même il a fait un petit commentaire pour ne pas comprendre ses paroles autrement après ce chapitre là en disant que وهدي الصحابة رضوان الله عليهم أنه العزلة تكون عند ما يخاف الإنسان على دينه وعلى عرضه ولا يمكن له أن يغير من الأمر شيئا. أما مخالطة الناس والصبر على أذاهم وإصلاح المجتمع فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم. Alors nous sein de notre religion, c'est pas dans la biographie du prophète ni l'exemple des compagnons du prophète sallam après lui, c'est de laisser la société de côté et de rester réservé dans son temps dans un coin à adorer Dieu subhanahu wa ta'ala, à chercher seulement à sauver son âme tout seul. Ça c'est pas si on peut dire la voie, ce n'est pas la règle, ce n'est pas la voie prophétique, mais l'islam nous incite à être dans à prendre cette voie-là. Mais au contraire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ainsi dans la sunna du prophète, nous incite à se mélanger avec les gens pour leur transmettre, parce qu'on a l'obligation de transmettre ce message. On a l'obligation de transmettre ce message et de faire sortir les gens
de leur comment dirais-je, ignorance et de leur mauvaise compréhension. Mais, ne serait-ce que parfois, ça peut aider à s'isoler quelques moments dans sa vie pour prendre l'énergie, se ressourcer, se purifier, reprendre la force. Et Nabi Sassam, il le faisait. Et surtout pendant le Ramadan. La retraite spirituelle, ça sert à ça. Pourquoi ? Parce que quand l'âme, si on fait attention, il peut s'intégrer totalement dans la vie matérielle. C'est pour ça qu'on la retire parfois, quelques moments, pour récupérer son énergie dont Dieu subhanahu wa ta'ala lui a donné cette énergie forte. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette retraite spirituelle, par exemple, pendant le Ramadan, des derniers jours, parce qu'il sait qu'après le Ramadan, il y a du travail à faire. Et aucun parmi les compagnons n'a jamais quitté la société, s'isoler quelque part, et plutôt... les compagnons de Dalma Ali, après la mort du prophète, ils sont dispersés dans le monde. Donc, une partie en Irak, une partie en Hijaz, une partie en Égypte, une partie en Asie. Tous, ils ont ce sentiment, ils ont subi beaucoup de travail pour transmettre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hala alors yati al-bab al-sab'oun li waddih al-hala al-qa'ida al-amma. Il y a fadl l'ikhtilat bin-naz. وحضور جمعهم وجماعتهم ومشاهد الخير. Les vertueux de la vie en société, le fait d'assister aux prières en commun, ici du vendredi, et le fait de venir à l'aide à son prochain. هنا أحاديث وآيات كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى ذكرنا فيها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Entraidez-vous à l'application du bien et la piété. Et il ne faut pas s'entraider. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner, tendre la main à celui qui veut seulement la corruption, et celui qui veut périr tout le monde, et celui qui veut, répondre à le désordre sur terre. Mais par contre, tout, sans exception, qu'il partage avec nous la religion ou non, tant qu'il appelle le bien, on lui tend la main. Parce qu'on ta'awanu huna, c'est pas seulement pour les musulmans. Il n'y a pas ya ayyuha alladhina amanu ta'awanu 'ala al-birr. Non. Wa ta'awanu. C'est dans sourate Al-Imran, bi sighati al-'umum. En général, tout ce. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré cela. Hilf al-fudul, nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment dirais-je, le conseil, si on peut dire, c'est l'alliance du noble. Pour soutenir les victimes et ceux qui sont opprimés de telle injustice à la Mecque. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même dans la force de l'islam, dans le 6e de l'Hijra, dans le Sulh al-Hudaybiyya, lorsqu'il a vu qu'il s'est détaché des ibadats qui sont venus pour elle, qui sont l'Umra et Safra pour elle, mais من باب حقن الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم أمضى على شروط حتى الصحابة ما كانوا يرفضونها لأنها تتناقض مع ما يفهمونه بأنه نحن جئنا مسلمين ومن حقنا العمرة ولكن صحيح هذا حقنا ولكن إذا ترتب على حقنا هدر الدماء والحروب وهذا فنتنازل على هذا الحق ومع كامل الأسف هذه النظرة اليوم التي نفتقدها تجد الواحد مثلا يعني يفعل كل شيء لأنه الأمر يتعلق بحقه شخصيا وينسى المصلحة أو المفسدة التي تترتب على العموم لو تشبث بحقه هو هذا فإنه العلماء قواعد أصول الفقه تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وهذا فيها يعني وتقدم مصلحة الأموات على مصلحة يعني على غير الأموات نعم مثلا كما نقول نحن تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت المرء تحترم ذمته حيا وميتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت لا يكسر عدمه لا يعني ترى سوءته ولكن إذا تعلق
مصلحة حي بأخذ شيء من الميت فهنا تقدم مصلحة الحي على المفسدة التي تترتب على الميت. هنا تحدثنا فيها في مسألة يعني أعضاء. Alors là, c'est ce qui s'appelle le système qui doit dominer, c'est l'intérêt général. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سيتحدث كذلك عن أفضل الناس. في حديث أبي سعيد الخدري حينما أجاب من أفضل الناس قال مجاهد بنفسه وماله ثم أي ثم الذي في شعب من الجبال يعبد ربه. وهنا سيقول لنا الذي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير وأفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. إذن هنا الخير كذلك le croyant qui fréquente les gens et patiente à leur tort et à leur... Parce que, pourquoi il patiente? Parce que son intention, c'est de réformer. Je patiente autour d'un ignorant parce que je veux qu'il apprenne. C'est la même chose dans la société. Il faut... Alors, celui-là, c'est le meilleur. C'est le meilleur. لذلك الحديث الذي قلت لكم كذلك نفس سبحان الله في هذه الروايات بالغالب تأتي عن أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل كذلك أي الناس أفضل هنا أجاب إجابات كثيرة سرور تدخل أي الأعمال أفضل وأي الناس أفضل سرور تدخله على قلب مسلم أو تسد جوعته أو تقضي دينه ثم أفضل الناس أنفعهم للناس ولأن أمشي في حاجة أخي حتى يقضيها خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. الخير هي في الأعمال. Le meilleur œuvre c'est de réjouir ton frère musulman. De lui donner, de se nourrir c'est la faim. De rembourser sa dette. Et le meilleur des musulmans Le meilleur des gens, c'est celui qui est au service des gens. Ici, en général. Et je préfère être au service de mon frère jusqu'à ce qu'il atteint. Ça veut dire son service. C'est préférable pour moi de rester dans une retraite spirituelle de ma propre mosquée à moi entier. Alors ici, ça veut dire quoi? S'intégrer dans la société pour... être au service de trop. لهذا فإنه إذا تمعنا هنا سأفتح قوس لكي نفهم أمور مهمة جدا. الإمام طاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه مقاصد الشريعة أشار إلى أمر مهم جدا في فهم كليات المقاصد وأشار إلى كلمة قالها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هي هذه الكلمة قال فيها عمر بن عبد العزيز يحدث للناس من الأقضية ما يحدثون من الفجور. الإمام طاهر بن عاشور إلى أن يجزي يرفي أن نليز جينيال dans le comment dirais-je la chose qui s'appelle les objectifs de la charia. En prenant une règle, c'était savez-vous les paroles des compagnons à l'époque du compagnon et du grand savant, ça devient des règles. Ça veut dire, ça c'est une parole qui devenait une règle. Et cette règle, c'était de la bouche de Omar ibn Abd al-Aziz, le cinquième calife, Mashallah, Omar ibn Abd al-Aziz, c'est parmi les grands savants, qui était le huitième calife de Bani Umayya, des Umayyades. Il a dit une règle, parce que lui, c'est quelqu'un qui est dans le champ. Le chantier, si on peut dire. Il a dit, les juges inventent aux gens des jugements selon ce qu'ils ont inventé de désordre, si on peut dire, de péché, de mauvaises choses. C'est une règle, déjà à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, vous savez, Omar ibn Abd al-Aziz, il est né
en 61 de l'hégire, il est décédé en 101, 40 ans. Mais là, il a pris le chemin de la science depuis qu'il est petit, surtout avec Abdallah ibn Omar. C'est lui qui l'a laissé à Médine, il lui a donné de toute sa science. Et quand il est devenu khalifa, il a dit ça. Il a dit qu'on est obligé d'inventer des règles dans la loi pénale selon ce que les gens ont inventé comme crime. Et je vous donne des exemples pour comprendre. Aujourd'hui, on a inventé pas mal de lois selon les crimes inventés. Et parce que les gens ils cessent pas d'inventer des crimes, des désordres, des problèmes, les juges ils cessent pas de réfléchir pour faire face à ces crimes. Et aujourd'hui, regardez, à certaines époques, on peut voyager avec un dentifrice, avec le shampoing, avec le parfum, dans le sac, comment dirais-je, à bord. Une cabine. Aujourd'hui. Pourquoi ? Ils ont inventé les lois. Il y a eu le précédent. Voilà, parce qu'il y a des crimes qui ont été commis avec ce genre de produit. Alors, un malheureux étudiant qui va venir aujourd'hui, il va lui dire, mais attends, mais ça c'est pas dans la sunna, c'est pas dans la charia, pourquoi vous m'interdire de prendre le parfum dans le abord ? Oui, je sais que c'est pas dans la charia. Mais tu crois qu'il n'est pas dans la charia ? En lettres, mais il est dans la charia dans le sens. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans la charia dans le sens ? Hifd al-nafs ou l'intérêt général. Quand l'intérêt général est touché, on doit le préserver. On ne regarde plus ton intérêt personnel. On regarde l'intérêt général. Alors ici, on ferme cette porte parce que il est risqué. Et on a déjà subi les mauvaises conséquences de ça. Alors on arrête. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit, c'est haram. C'est interdit que tu prends quelque chose. Le coût de la route. Et là, on ne cesse pas de développer le coût de la route. Quelqu'un te dit, mais attends, tu ne vas pas m'interdire de rouler 60, c'est ma voiture. Je roule ce que je veux. Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi ? Parce que c'est risqué pour les autres. Si toi, tu prends pas tu fais pas attention à toi, mais la loi, elle est là pour faire attention à tout le monde. Alors, même si c'est ta propre voiture, et tu vois bien, et tu es vigilant, tu fais ce que tu veux, il y a un panneau de 60, alors la religion commence à dire, mais... Alors, il va te dire, mais donne-moi un hadith ou un verset qui dit que c'est haram de dépasser le panneau de 60. Il n'y a pas dans le Coran comme ça. Mais il y a dans le Coran comme quoi celui en général qui ne cède pas à l'application du bien, il a commis un non-drap, c'est un délit. Alors regardez, alors c'est dans ce sens-là où ce qui doit être dominé, c'est l'intérêt de tout le monde. L'intérêt de tout le monde. Il y a des cas, أقرأ عليكم كلام للإمام ابن عقيل أعجبني كثيرا في هذا يعني المجال. يقول رحمه الله إمام ابن عقيل الحنبلي الدي السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك إلا ما وفق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة رضوان الله عليهم. ها كما يقولوا هادو الناس خبراء في الفقه وفي السياسة الشرعية وفي المقاصد دي سبيسياليست. Si on peut dire du juriste, des vrais juristes, il te parle, c'est quoi ? Il te dit, Ibn Aqil dit, la politique musulmane, si on peut dire pour éviter toujours islamique parce que ça dérange, la politique musulmane comprend toutes les mesures qui sauvegardent les intérêts des gens et les préservent de la corruption, même
ces six mesures n'ont été ni décrétées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni mentionnées dans le Coran, celui qui prétend qu'il n'y a pas d'autre politique que celle décrétée explicitement par la charia, se trompe et accuse les compagnons de s'être trompés dans leur façon de comprendre la législation musulmane. Ça veut dire, tu dis que ce qu'on doit comprendre nous dans la totalité de cette charia, c'est qu'il est là pour préserver les intérêts de tout le monde. Et il invente des règles selon ce que les gens ont inventé. Alors le problème, il est où? Le problème, il n'est pas dans le temps qui est changé. Le problème, il est dans les gens qui ont changé. C'est les gens, parce que les gens maintenant, ils sont changés. Je vous donne les trois règles. Et après, je finis parce que je ne vais pas t'en parler. هذا من جانب ما نعيشه الآن حتى يفهم يعني الكلام. تعرفون أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد في الزواج كان شيئا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أشهروه بضرب الدف. On désignait pas tel était le témoin, mais on sait que tout le village, il sait que tel s'est marié avec tel parce qu'ils ont un mariage, et voilà, ils ont chanté les femmes, c'est bon aussi, c'est bon, c'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les compagnons, et la génération après les compagnons, jusqu'à la troisième génération, c'est des gens qui craignent Dieu, qui sait ça veut dire quoi, se marier. Et ça veut dire quoi être témoin? Tout le monde se rend témoin quand il y a un conflit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut une loi pour préserver les droits d'elle et de lui et de leurs enfants. On ne va pas venir dire, ouais, c'est bon, Juan, voilà, on est à la mosquée, vous êtes voilà, une centaine, je me marie avec tel. Non! Aujourd'hui, la législative, voilà, il a inventé quelque chose qui s'appelle le livret de famille. Quelqu'un peut dire, mais attends, il n'y a pas de livret de famille dans la jurisprudence islamique. Mais aujourd'hui, même la pièce d'identité, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Le passeport, ça n'existe pas à l'époque du prophète. N'est-ce pas? C'est la même chose. Même les attestations de doctorat et de master et de bac, ça n'existait pas à l'époque du prophète. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu ne veux pas aller enseigner à la Sorbonne ou je ne sais pas, Jamia al-Islamia à Médine si tu n'as pas un diplôme. Oui, tu, machallah, tu as appris le Coran, tu as appris chez toi à la maison, mais tu n'as pas un cursus académique, on n'a pas confiance. Pourquoi? C'est le cursus, si tu dois, il doit y avoir tamponné de le ministre d'éducation nationale, comme quoi celui-là, il mérite, il a la qualité d'enseigner. Tu ne veux pas sortir du jour au lendemain, tu dis, c'est la même chose aujourd'hui. Alors, on invente parce que allez, à cette époque-là, il n'y a personne qui va venir à la mosquée pour parler aux gens s'il n'y a pas un cursus. Et s'il n'y a pas des chiurs qui l'ont témoigné. Imam Malik, il avait, c'est quoi son tampon? Il a dit, ma'aja lastu ila al-fatwa, illa ba'da idn sab'ina min alim al-madina. Aujourd'hui, ça veut dire que le Madina, c'est un cursus. Primaire, au collège, au lycée, la fac, et après les études supérieures. C'est ça. Tu comptes, tu vas trouver aujourd'hui plus que 70. Il devait témoigner avec les examens que tu passes chaque année, que tu mérites. Sinon, si on ouvre la porte, tout le monde va venir parler aux gens, et après, il va tout. Après moi, va contredire tout ce que je dis n'importe quoi. Parce que c'est cela. Alors ce qui est important, c'est quoi? C'est quand on fréquente les gens, on découvre des choses, on doit toujours être dans le camp de les réformistes. Mais les réformistes, ce n'est pas dans le sens de réformer la religion. Non, de réformer les gens, de réformer les compréhensions, de réformer... les méthodes de réformer pour que tout le monde en profite de l'intérêt général. C'est dans ce sens-là.
والله تعالى أعلى وأعلى. مسألة على القدير الفقهاني وإياكم بارك الله فيكم. إنه من رشاد السلام وجعلنا من عباد الصالحين المصلحين. نربنا ولذلك والقدير العالي. نسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما ينفعنا وأن يباركنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبرم لأمة الإسلام برم رشده وصلاح، وأن يفقنا في هذه البلاد لما فيه خير وصلاح، وأن يبرم لنا كذلك برم رشده وصلاح، وأن يدبر لنا أحسن التدبير فإننا نسيء التدبير. إن ربنا ولذلك والقدر عليه وسيدنا وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.